Bienvenue pour cette nouvelle méditation. Vous vous accordez un instant de tranquillité et de profonde relaxation en vous détachant des limites de l'esprit conscient. Vous pourrez renouer avec votre sérénité intérieure et apprécier ce petit voyage introspectif. Et sachez que si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Alors, laissez-vous aller et profitez de chaque instant. Pour commencer, installez-vous dans une position confortable. Et prenez le temps de vous recentrer sur vos sensations. Et fermez les yeux avec bienveillance s'ils ne sont pas déjà fermés. Vous pouvez vous laisser porter par la musique qui vous accompagnera tout au long de cette méditation. Elle vous enveloppe comme une couverture chaude. Concentrez-vous maintenant sur la respiration. Sentez votre poitrine qui se gonfle à chaque inspiration, puis qui se dégonfle et se relâche délicatement à chaque expiration. Appréciez ce mouvement comme une douce vague qui caresse les rivages de votre être. Elle apporte avec elle un sentiment de calme et de présence paisible. Comme un arbre qui se balance au gré du vent, laissez-vous bercer par le mouvement régulier de la respiration. Il vous ramène à l'instant présent et vous connecte à votre essence profonde. Dans ce calme intérieur, laissez vos pensées s'apaiser et vos émotions se dissoudre, laissant place à une paix et une sérénité profondes. Prenez le temps de respirer profondément et lentement. Sentez chaque souffle remplir vos poumons. Sentez l'air qui pénètre dans votre être tout entier. Dans ce moment de pleine conscience, vous vous laissez porter par la douceur de votre propre respiration. Elle vous invite à vivre pleinement l'instant présent et à savourer chaque instant de votre vie. Laissez aller au rythme des notes de la musique. Dirigez votre attention vers votre cœur. Connectez-vous à cette source d'énergie. Votre essence profonde. La
respiration se fait sentir, ainsi que les battements réguliers de votre cœur. Et prenez un moment pour observer tout cela. Laissez-vous aller et observez vos pensées, vos émotions, sans les juger. Accueillez-les avec bienveillance et laissez-les simplement passer, calmement. Vous vous éloignez du monde extérieur et vous plongez dans un état de calme et de paix profonde. Laissez-vous sombrer dans la relaxation, un peu plus à chaque expiration, en sécurité. Vous commencez à vous sentir comme entouré d'une lumière blanche, chaleureuse et aimante. Accueillez-la et laissez-la simplement être. Restez présent dans cette sensation. La musique vous accompagne comme une douce mélodie qui vous berce dans cette détente profonde. Relaxez-vous dans ce confort total. Et vous pouvez peut-être remarquer un léger changement dans votre énergie, une sensation de fraîcheur ou de chaleur. Vous êtes ici et maintenant dans cet espace sécurisé. Vous pouvez lâcher prise. La musique continue de vous bercer, vous accompagnant dans cette douce relaxation. Vous êtes entouré de cette lumière blanche. Vous pouvez simplement être ici, dans l'instant présent. Vous abandonnez peu à peu à cette détente profonde
alors qu'une partie de vous peut se laisser aller et écouter cette histoire. Swami et son disciple Ranga se promenaient sur la plage près de l'océan. Il faisait froid, le vent soufflait sur l'océan, soulevant des vagues très hautes. Après avoir marché un moment, Swami s'arrêta, regarda son disciple et demanda « À quoi te fait penser cet océan agité ?»« Cela me rappelle mon esprit et mes pensées précipitées et agitées, » répondit Ranga. « Oui, l'océan tempétueux est comme l'esprit, et les vagues sont les pensées, » expliqua Swami. L'esprit est neutre comme l'eau, il n'est ni bon ni mauvais. Le vent crée les vagues, tout comme les désirs et les peurs produisent des pensées. Je ne voudrais pas être sur un bateau, au milieu de l'océan, dans une tempête comme celle-ci, dit Ranga. Tu es là tout le temps, au milieu de cette tempête, répondit Swami, et continua. La plupart des gens sont sur un bateau sans gouvernail, au milieu d'un océan agité. Même s'ils ne s'en rendent pas compte, leur esprit est agité. Des pensées de toutes sortes viennent et vont sans cesse, agitant leur esprit comme les vagues de l'océan. Ranga l'interrompit. Oui, je sais cela. C'est la raison pour laquelle je veux apprendre de vous. Je veux calmer les vagues de mon esprit. Swami regarda Ranga pendant un moment, sourit et dit « Vous ne pouvez pas calmer l'océan en retenant l'eau et en l'empêchant de bouger. Ce qui est nécessaire, c'est d'arrêter le vent. Vos pensées, vos désirs et vos peurs sont comme le vent et vous devez les calmer et ne pas les laisser diriger votre vie. Vous apprenez à les contrôler en contrôlant votre attention et votre concentration. Et alors, l'océan de votre esprit deviendra calme. Et comment faire cela? Supposons qu'il soit possible pour l'océan de ne pas tenir compte du vent. Que se passerait-il alors? Demanda Swami. Les vagues cesseraient. Cependant, personne ne peut arrêter le vent. Swami regarda Ranga avec un sourire mystérieux et dit « Vous pouvez calmer les vents dans votre esprit, ces vents qui rendent l'océan de votre esprit agité. Les vents sont vos pensées et l'océan est votre esprit. » « Oui, maître, » dit Ranga, « c'est ce que j'essaie de faire. Si je parviens à calmer les vents de mon esprit, pourrais-je aussi apporter plus de paix et de calme dans le monde qui m'entoure. Tout d'abord, apprends à calmer le vent et l'océan de ton esprit, expliqua Swami. Lorsque tu pourras contrôler ton esprit et le rendre paisible, tu auras alors plus de contrôle sur ta vie et tu pourras changer le monde. Maintenant, imaginez-vous dans une forêt luxuriante, une forêt que vous avez peut-être déjà visitée, ou peut-être que vous l'imaginez simplement. Vous marchez seul sur un sentier sinueux, entouré d'arbres majestueux. Vous remarquez que la lumière du soleil filtre à travers les feuilles, créant une danse hypnotique de lumière et d'ombre sur le sol. Le son des feuilles qui brissent sous vos pieds et le chant des oiseaux remplissent l'air de sérénité. Et alors que vous marchez, vous réalisez qu'une corde épaisse est attachée à votre taille et qu'elle est reliée
à un rocher et que vous le tirez derrière vous depuis un long moment. Ce rocher, c'est l'accumulation de toutes vos préoccupations, vos soucis et vos peurs. Il vous ralentit et vous empêche de profiter pleinement de cette expérience paisible. À chaque pas que vous faites, vous tirez la corde. Mais dans votre marche, vous remarquez qu'il y a quelque chose de brillant par terre, à quelques mètres de vous. Sur le chemin, une forme légèrement couverte de sable apparaît. Une pierre qui semble émettre une lumière étrange. Une partie de vous est attirée par cette pierre et vous vous approchez pour la ramasser. Vous soufflez délicatement dessus pour la nettoyer et la faire briller. Tenez-la dans votre main et vous pourrez ressentir une énergie particulière, comme si cette pierre était là pour une raison précise. Soudain, vous comprenez que vous pouvez utiliser cette pierre pour couper la corde et vous pourrez vous autoriser alors à vous débarrasser de tout le poids que vous portez, que vous tirez depuis déjà très longtemps. Alors, allez-y, coupez la corde. Voyez chaque fibre de cette corde s'effilocher doucement jusqu'au dernier brin. Et quand il finit par céder, en un instant, vous vous libérez de tout ce poids, de toutes ces émotions qui vous ont retenu par le passé. Vous ressentez une légèreté, une liberté qui se développe dans tout le corps. La pierre semble briller encore plus fort, comme si elle célébrait votre nouvelle liberté. Vous prenez une grande inspiration et vous sentez l'air frais de la forêt remplir vos poumons, comme une première bouffée d'air, pour un soulagement qui s'étend dans tout le corps. Vous êtes rempli d'un sentiment de gratitude et de paix intérieure. Vous pouvez sentir cette paix dans chaque cellule de votre corps. Et vous comprenez que c'est exactement cela que vous êtes venu chercher. Vous êtes au bon endroit, dans cette forêt magnifique. Et vous continuez à marcher sur le sentier, cette fois sans corde, avec légèreté. Vous savez que maintenant vous êtes prêt à accueillir les cadeaux de l'univers. La pierre brille toujours dans votre main, comme un rappel constant de votre liberté et de votre paix intérieure. Vous la garderez avec vous en souvenir de cette aventure intérieure. Et vous pouvez sentir que cette expérience restera en vous pour toujours, comme un nouveau départ dans votre vie. Dans ce moment, vous êtes libre de lâcher prise. Vous pouvez abandonner tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vous êtes libre de lâcher prise et de vous abandonner à l'amour
à la confiance dans ce processus qu'est la vie. Vous pouvez sombrer un peu plus profondément en vous-même. Vous retournez à votre essence profonde. Vous vous laissez envelopper par la douceur de la vie, comme un enfant dans les bras de sa mère. Sentez la chaleur de l'amour qui vous entoure et laissez-vous porter par elle. Lâchez prise sur tout ce qui vous retient, doucement. Vous êtes aimé et vous avez déjà en vous tout ce qu'il vous faut pour réussir. Alors laissez-vous porter de plus en plus par la musique et sentez la paix et la tranquillité qui vous entourent. Laissez-vous aller. Dans ce moment de lâcher prise, le corps est parfaitement détendu. Laissez-vous envelopper par la douceur. Et je vais vous laisser quelques minutes avec la musique pour que vous puissiez apprécier cet instant. Et quand elle s'arrêtera, vous pourrez choisir d'ouvrir les yeux et de reprendre une activité normale ou de simplement plonger dans un sommeil profond et réparateur. Quant à moi, je vous dis merci et à bientôt dans cette méditation ou dans une autre.